Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nail art zèbre sur un dégradé. Le dernier nail art zèbre que j'ai fait remonte à plus d'un an et à vrai dire il est assez moche. Du coup j'ai voulu retester le nail art et à vrai dire j'aime beaucoup le résultat. J'espère que vous aussi. Du coup pour réaliser ce nail art vous aurez besoin d'une base, d'un vernis bleu, d'un vernis violet, framboise, rose, pailleté, de drawing gum, de peinture acrylique blanche, d'une mousse à dégrader, d'un pinceau liner, d'un dotting tool, d'une pince et d'un top coat. Et c'est un nail art 3 étoiles. Je commence du coup, comme d'habitude j'ai envie de dire, par ma base. Encore une fois, c'est très important d'en appliquer une, puisque ça va servir de bouclier pour protéger l'ongle des pigments du vernis qui risquerait de rentrer à l'intérieur de celui-ci et risquerait tout simplement de le faire jaunir ou de l'abîmer. Ensuite, je vais appliquer ma drawing gum. Je vous le rappelle, c'est un DIY que j'ai fait sur ma chaîne. Je vous mets le tuto en annotation. Et donc, je l'applique sur mes deux doigts du milieu, puisque c'est ici que je vais faire mon dégradé. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du scotch ou du masking tape. Pendant que ça sèche, je viens appliquer deux couches ou trois, ça dépend de l'opacité de vos vernis. Donc, de mon vernis bleu sur les deux doigts qui restent, puisque sur le pouce, je vais également faire le motif zébré. Surtout, pour prolonger la tenue du vernis, il faut penser à en appliquer sur la tranche de l'ongle. Et une fois que ma drawing gum est sèche, je viens prendre ma mousse à dégrader, ainsi que mon vernis bleu, et je viens en appliquer tout d'abord une bande. Ensuite, en dessous, une bande de mon vernis violet. Puis toujours en dessous, une bande de mon vernis framboise. Et pour terminer, de mon vernis rose. Donc il faut faire en sorte que toutes les couleurs rentrent sur vos ongles selon la longueur de vos ongles, du coup. Je dégrade légèrement tout d'abord sur une palette pour commencer à fondre les couleurs. Et ensuite je viens dégrader sur mes ongles. Avec le vernis bleu au niveau de la cuticule et le vernis rose au niveau du bord libre, bien sûr vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Et donc je fais le dégradé en deux couches. Et comme je voulais rajouter des paillettes, j'ai appliqué mon top coat pailleté préféré. Vraiment il est super joli pour les dégradés ou même pour un vernis normal. Vous n'êtes pas du tout obligé d'appliquer des paillettes, hein, c'est vraiment moi qui ai voulu en rajouter. Ensuite je viens retirer ma drawing gum à l'aide d'une pince et vous voyez ça part super facilement, il n'y a presque pas de nettoyage à faire. Donc justement je viens rattraper les contours, juste le peu de nettoyage qu'il y a à faire avec un pinceau plat et du dissolvant. Et ensuite on va passer au motif zébré. Donc je viens prendre mon pinceau liner ainsi que ma peinture acrylique blanche. Vous pouvez bien sûr utiliser du vernis blanc mais c'est beaucoup plus simple à travailler. Et du coup pour le motif je vais partir sur un côté et je vais commencer en faisant une ligne assez large et je vais faire pivoter mon ongle en faisant traîner mon pinceau et petit à petit je vais lever mon pinceau pour que la ligne devienne beaucoup plus fine à la fin. A chaque fois je vais faire les bandes en quinconce et je n'hésite pas à changer un petit peu la forme comme celle-ci par exemple. Vous pouvez très bien vous inspirer de photos de véritables zèbres, personnellement je les fais un petit peu comme ça sans avoir d'exemple. Vous pouvez vous inspirer également de mon nail art, c'est à vous de choisir. Ce qui est bien avec la peinture acrylique, c'est que si jamais le pinceau dérape, ou si on se loupe, ou si vous ne trouvez pas forcément le résultat très joli, on peut toujours enlever le tout avec de l'eau si jamais ce n'est pas sec, ou sinon bah, gratter si votre base est bien sèche, ou tout simplement enlever avec un petit peu de dissolvant ou de l'alcool sans forcément abîmer votre base qui est en dessous. Donc du coup je fais ça sur mes deux doigts, ainsi que mon pouce, mais je ne le montre pas. Et donc je vais essayer de varier un petit peu les lignes, de les faire plus longues ou plus petites. Après c'est vraiment à vous de choisir. Et donc lorsque je vais faire les bandes du côté droit, ma main sera à gauche. Et au contraire, lorsque je vais faire mes bandes du côté gauche, ma main sera à droite. Il faut toujours que ce soit à l'inverse pour mieux faire traîner le pinceau. Et donc pensez à prendre un pinceau liner puisque comme les poils sont beaucoup plus longs, vous aurez plus de facilité à faire traîner le pinceau plutôt qu'avec un pinceau fin, mais c'est aussi faisable. Sur les autres doigts, donc les doigts en bleu, je viens prendre un dotting tool moyen et je viens faire un poids au niveau de la cuticule avec mon vernis blanc ou ma peinture acrylique blanche. Avec toujours mon pinceau plat et du dissolvant, je viens enlever un petit peu ce qui dépasse, la peinture part très rapidement. Et ensuite il ne me reste plus qu'à appliquer mon top coat, surtout que là c'est très important puisqu'on a appliqué de la peinture acrylique sur nos ongles, donc si on n'en met pas, ça part avec de l'eau. Donc n'hésitez pas à tapoter puisque même si c'est de la peinture, ça risquerait de baver. On n'oublie surtout pas la tranche de l'ongle. Et vous voyez, une fois qu'on a appliqué le top coat, c'est bien plus joli. Et voilà, j'espère que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, à commenter. Je réponds à tout le monde, ça fait plaisir de voir vos réactions. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour la version sur les pieds.